Bonsoir à Salut les tous. gars. Du coup, ce soir, un petit live avec en guest notre ami Jonathan, Bah merci de le beau m'avoir invité. Jonathan. Bah merci. Oh. Et on s'est Merci de même pas mis raccord. m'avoir. Regardez, Hey. Pas il y fait a eu. exprès. Ah ouais, on a même pas fait exprès. Moi, je me suis dit, tu vois, je vais sortir un peu de l'ordinaire, je vais mettre un t-shirt geek. Bim. Le geek est là aussi. Et ça, c'est beau. Non, ouais, je voulais te remercier de m'avoir invité aussi. Là, avec plaisir. En plus, tu vois, on a des cartouches derrière, il y a des Voilà. bonbons à foison, on est comme Voilà. des gros gamins, on est au top. Et qu'est-ce que je vais dire? Du coup, ce soir, petite peinture de Roboot Gulliman. On se faisait la réflexion avec Gab qui est passé au studio et on se disait que c'est quand même un prénom de merde. Qu'est-ce que t'en penses? Roboot Gulliman, le mec représente quand même tu vois, tout ce qui fait que l'humanité tu vois, va survivre au chaos. C'est ça. Ils sont partis peut-être sur le principe du Robotech, du manga. Tu crois? Ouais, je suis sûr. Tu crois que toi, Le ils mec, vont puiser leur source d'inspi. le mec, il a sculpté, il a dit Robotech. Allez, direct. Robotech. Ouais, j'ai l'impression que ça va être pas mal ce soir. Du coup, donc Jonathan a plein d'idées, ça fait Ah, plaisir. moi. Et on va faire un petit tour sur les commentaires. Donc, il y a Ward la France qui nous dit hello. Salut à toi, Ward, ça fait plaisir. Il y a Jason le peintre. Coucou, Jason. Jason a un blog, d'ailleurs, n'hésite pas à mettre le lien de ton blog, Jason, Jason par il est très rapport cool. Jason, Jason comme dans le par film rapport aux d'horreur. Argonautes, tu crois Non, ou... au film d'horreur plutôt. Et C'est poursuit les lequel gens. ton référent, Jason? Il y a Kyle Ronin qui a mis un C. Il y a Snorty qui met bonsoir. Il y a Ben Illustrateur qui dit hello tout le monde. Coucou Ben. Pour info, je suis en train de sculpter la figurine de ton concept qui est trop beau. On en dira plus tard, hein, promis. Ou pas. Il y a Popoff. Coucou Popoff. Ayato Ayato, bonsoir à toi. SKX, salut, salut. Metal Beer Solid, salut à toi. Bref, tout le monde. Il y a Jason qui nous répond que c'est son prénom. Ah, T'as demandé à t'as ton tes parents. maman et à ton papa si t'avais conçu pendant Jason et les Argonautes ou Jason le tueur en série. C'est une Demande-leur à réflexion, l'occasion. hein. Bon, allez, on est con. Allez, on va arrêter d'être con. Salut Fabou aussi. Salut Thomanisé, ça fait plaisir. Salut Mo et Joe. Thomanisé, t'as vu, il t'a intégré Ah, direct. oh, Tu merci de m'avoir connais, lui. intégré. Ça y est, Ah bah je ça suis y une est, star. ça Ça y y est. Ah ouais, là c'est sûr. Là. Il faut C'est pas un grand-chose. international. Donc ce soir, n'hésitez surtout pas à poser vos petites questions. Il y a Jason qui répond, il ne m'aimait pas, c'est tout. Mais si Jason, tes parents t'adorent, Non. j'en suis sûr. Et du coup ce soir, on envoie la campagne Kickstarter du livre en anglais. Donc comme je le disais dans un communiqué il y a peu, encore une fois, le livre en anglais n'a rien à voir avec la version en français, si ce n'est que ça va me permettre potentiellement de traduire et de proposer le livre qui sera livré dans un an aux Américains. Donc de toute façon, les Français le recevront avant, et comme on avait prévu, février-mars. Donc les envois vont commencer en février, je pense qu'ils s'étaleront aussi sur mars, parce que 3 300 envois, ça va être super long. On est en train de mettre tout ça en place. Encore une fois, ça n'impactera pas du tout, parce que les envois sont déjà faits à l'imprimeur, donc voilà, on est dedans, et ça, c'est cool. Thomas Nissé qui dit « C'est normal d'intégrer direct, tout n'est qu'amour sur Mandart. » Merci Thomas, et on essaye, et il faut essayer de proposer du positif, avancer, toujours aller de l'avant, et puis apprendre de ces petites boulettes, ça arrive aussi, et ça, c'est important. Qu'est-ce que t'en penses, Joe? Bah, t'as tout dit. Ouais, c'est... T'as tout dit. Voilà. Les boulettes, on fait qu'à apprendre avec nos erreurs, de toute façon, hein, Voilà. la vie n'est pas parfaite, Et sinon comme ce on disait serait. en fait juste avant le début d'ailleurs, on parlait du fait de oser. Donc là, je vais commencer à passer un peu sur Gulliman et régulièrement de toute façon, je vais regarder vos questions, vos commentaires, tout ci, tout ça. Hop, donc petit fondu ninja. Donc là, je vous présente mon petit Gulliman. Je vais présenter aussi la pièce que tu es en train de peindre, comme ça les gens verront. Donc dis-nous, c'est quoi son petit nom? C'est Bertrand le Brigand, la vieille figurine de chez Games pour les Bretoniens. Qui a super bien vieilli. Ouais, tout à Donc ça, fait. je pense que ça doit être encore un des deux frères, mince, comment il s'appelle? Un des deux frères Perry qui a dû sculpter ça à Oui, l'époque, parce que je c'est... pense ouais, que c'est de 4, dans les années 80, Ouais, c'est ça. 89. Donc C'est souvent, une vieille figurine qui a bien vieilli. c'était les frères Perry qui sévissaient Ouais. à cette époque. Et vraiment, ils nous ont concocté de belles, belles Belle figurine, pièces ouais. qui ont super Hyper bien bien vieilli, ouais. vieilli. C'est pareil avec pas mal de peintres de chez Games qui sont de belles brutes. Donc moi, je vais avancer sur Roboot Gulliman parce que sinon, je vais me faire fouetter. Parce qu'en fait, c'est une pièce qui patiente. Ça fait un moment sur mon établi et c'est une pièce qui m'a été commandée. Donc il faut que je m'en occupe. Et même si ça prend le temps, ça finit petit à petit par arriver. C'est comme ça.
Hey, coucou David Arnesen, ça fait plaisir de t'avoir avec nous, ouais, carrément. Ça fait longtemps, ben je sais pas, le dernier live c'était quand? Ben, c'était début de semaine. Bah oui. Non, mais c'est peut-être une blague, c'est peut-être une boutade en fait. Ou pas. Mais, Quelquefois les boutades. ah, je pense que c'est une boutade. Moi, franchement, connaissant David, je pense que c'est une boutade. Hein. D'ailleurs, David, c'est super chouette de t'avoir aussi pendant le live. Je regarde un petit peu toujours ce que tu postes en peinture. La dernière fois, j'ai Ahmed aussi qui est passé me faire un coucou. Du coup, il m'a parlé un peu de tes dernières peintouilles et tout. Ça fait plaisir de voir tout ça avancer. Je sais plus si c'était toi qui nous avais, au Happy Factory Day, ramené la faction avec le matriarcat qui avait des plots dans des parties de l'anatomie dont on taira le nom. Ah bon, ouais, sinon la censure oblige, hein. Le CSA nous écoute, on est toujours écoutés. Tu crois, ouais, non, t'es parano là. Un jour, t'es Ah, la parano. paranoïa, elle fait le principe de l'homme. Ouais, c'est vrai, c'est ce qu'on se disait par rapport à la peur, par rapport au fait de pas oser aussi. Ça vient beaucoup de tout ça, en fait, je pense que c'est un peu ancré en nous, donc c'est un peu à nous d'apprendre justement à parfois la dépasser. Parfois vérifier ses sources, parfois voilà. Et oui, Kyle Ronin, merci pour ta patience, mais je t'avoue que c'était un. Voilà, elle était sur mon bureau, ça fait un moment que j'y pensais. La dernière fois, comme ça, ça m'a fait la même pour un prince démon que j'avais. Bah, d'ailleurs, je l'ai montré il y a un petit moment maintenant. Son commanditaire n'est pas d'ailleurs passé encore le récupérer, il faudrait plus tarder. Mais c'est vrai que ça me permet quand même d'avancer, parce que mine de rien. Ouais, à un moment donné, sur mon bureau, il y a trop de choses et ça devient vraiment Ouais. problématique. Soit Donc, il faut soit tu ranges ton savoir. bureau, soit tu peins pas. Tu peins plus. C'est Il y a ça. trop de choses. Bah là, après nous, le problème, c'est qu'on a un peu d'espace. Ouais. Du coup, on a aussi l'option de s'étaler. Tu vois, là, par exemple, ce soir, avant que tu arrives, je me suis dit, ah, ce serait cool qu'on peigne mes côte à côte. Et du coup, j'ai dû virer tout ce qu'il y avait là. Tu vois. Bah, Parce que tu vois, avant que tu grâce à arrives. moi, il a rangé son bureau, les gars. Ouais, Attention. et surtout, Jonathan, ce qui est cool, c'est que déjà, merci de ta présence, parce que tu es venu me tenir compagnie, parce qu'il faut savoir que tout Happy Games Factory est en vacances, donc ça fait vachement vide. Bon, je ne suis pas triste pour autant, de temps en temps, un peu de solitude, ça fait pas de mal. D'ailleurs, un gros bisou à toute la team si vous êtes dans les parages. Mais au-delà de ça, c'est cool d'avoir quelqu'un avec qui peindre. Oui. Donc, merci d'être venu. Bah de rien, comme je te l'ai dit tout à l'heure, merci de m'avoir invité quand même. Ben, ça me fait plaisir. Donc, je vais parler aussi un petit peu en anglais, pour si par hasard il y a quelques anglophones dans le coin. Don't hesitate if you have any question about my paint. We are a small French team, so don't hesitate to ask in English, in comments. And I will try to answer in English too. Don't be afraid about the French speakers. Donc, en tout cas, merci à tous d'être là ce soir. J'espère que vous êtes tous bien partis pour passer de bonnes fêtes. Toi, ça va? Tu t'es préparé un petit peu? Ouais, doucement mais sûrement. On va dans la famille à Dans quel coin? côté de Chartres. Ma soeur elle est de là-bas, donc je vais passer Noël avec ma Ah, soeur. c'est bon ça. Et Beaucoup d'enfants, pas beaucoup d'enfants? non, ma soeur elle est. On n'a pas de tabou, hein? Ah Elle est non? homophobe. Elle est homophobe, n'importe quoi. Homosexuel. Homosexuelle. Elle D'accord. est lesbienne. Donc voilà, donc Bah aura après, pu avoir, aura elle peut pu avoir. adopter, non? Voilà. Mais non, ma soeur n'est pas très enfant. D'accord. Donc, elle s'occupe des enfants, elle est assez Ah. dans un centre, mais elle ne veut pas d'avoir d'enfants. Ah ben, bah, parce que son boulot, c'est de s'occuper d'enfants. C'est ça, ouais. Ah, c'est ouf. Elle est directrice d'un centre aéré. Ouais, mais bon, enfin, j'avoue que franchement, c'est vrai que quand tu t'occupes des enfants toute la journée, est-ce que tu as envie d'en avoir chez toi le soir? Ça, c'est la question. Ah, ouais, voilà. Ça, c'est la question. Mais non, non, oui, pas de tabou, l'homosexualité. Non. Non, c'est pas du tout un tabou. Et puis surtout que je pense qu'aujourd'hui, en fait, on a quand même la chance d'être dans une société qui est hyper tolérante vis-à-vis de tout ça. Et c'est Bien. une chance parce Oui. que bah, ça permet à chacun d'être ce qu'il est, quoi. Tout à fait. Et Moi, franchement, il faut au contraire, c'est une chance, quoi. là-dessus, j'ai jamais caché. Je me suis jamais caché. Voilà. Ouais, c'est hyper Si la important. personne n'est pas d'accord, elle n'est pas Ouais, et puis d'accord. franchement, pour être pas d'accord, faut foncièrement être. C'est pas méchant, mais enfin, tu vois, c'est la base de la tolérance, quoi. Tout à Je veux dire, fait. après tout, c'est pas à toi de choisir la sexualité de qui que ce Non, soit. c'est ça. On est Et ouvert, on veut ça, faire ce qu'on veut. mais grave, c'est super important. C'est important. Tu vois, la tolérance dans le zombie. Tout à fait. C'est beau.
Et donc, qu'est-ce que je disais? Ouais, donc moi je vais descendre dans le sud. Donc s'il y a des gens qui sont du côté de Montpellier, qui veulent se faire une petite session pintouille ou quoi que ce soit, on peut toujours essayer de se caler un truc. Bon, j'avoue que j'ai promis que je ferai un vrai break en faisant rien, tout ci, tout ça. Mais on va pas se mentir, je vais avoir envie de peindre. Je vais quand même prendre de quoi un petit peu peindre. Donc s'il y a des gens chauds patates dans le sud, je serai chaud patate aussi. Bonsoir Thierry Var, bonsoir Guldur encore une fois. Ronin, comment tu gères la poussière quand il y a beaucoup de temps entre deux séances de peinture? Tu bâches ou tu nettoies? Je nettoie, je souffle en fait. Il suffit de souffler et voilà. Après, la tienne n'était pas spécialement super poussiéreuse. Je refais un check, mais elle n'était pas... Après, ce que tu peux faire aussi, c'est tout simplement passer un petit coup de pinceau humide. Ça marche très bien. Dites-moi si l'image de votre côté est à peu près nette. Donc là, ce que je fais, c'est que j'attaque tout de suite sur le noir avec un petit peu de jaune, juste pour poser un petit peu tous les petits rayons de lumière, tous les petits ornements, parce que ça fait plaisir, quoi. Tout simplement. Tout simplement. T'as vu ça quand ouais. Je chante bien? C'est ça. Cette petite voix suave. J'ai cru que t'allais me faire la chanson entière, mais... Tout simplement. Ta-na-na-na. Non, j'évite, parce que ça, c'est sous la douche, tu vois. Et on n'en est pas encore là. Non, on n'est pas intime encore. Dans notre relation. Tout simplement. Mais bon, bref. Et donc, ouais, donc le sud, pour moi, j'ai hâte, parce que ça va me faire ma première semaine de break depuis un moment. Et bon, ça va être un petit break, parce que, bon, mine de rien, il y a la campagne KS en cours. On va voir un petit peu si le livre trouve de l'écho aux États-Unis, parce qu'aussi bien, il n'en trouvera pas. Hein, ça peut arriver. Finalement, comme on le disait... Il n'y a que ceux qui font rien qui font pas d'erreur. Hein. C'est ça. C'est vrai ou pas? Tout à fait. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au fait d'oser. Voilà, il faut pas hésiter à oser faire les choses parce que c'est ce qui va vous permettre d'évoluer, d'apprendre parfois de vos erreurs, mais quoi qu'il en soit, toujours en allant de l'avant de façon saine et pérenne, quoi. Tu vois, ce soir, je t'accueille, Jonathan. On se connaissait pas avant. Non, du tout. Il y a une part de prise de risque. Parce que voilà. Si ça se trouve, t'es un gros relou, de super chiant. C'est ça, tout à fait. Mais ça va, c'est cool. Ça se passe bien, t'es aimable. D'avoir un nom comme Jason et être un tueur en série, quoi. Pareil. Putain, tu sais que tu me rassures pas quand même. La soirée n'est pas finie. Et c'est ça. Nous allons peut-être découvrir des choses. En plus, en ce moment, je me suis fait Bates Motel, la série là. Putain, tu sais, qui reprend, en gros, c'est un espèce de série qui reprend tout le délire de Psychose, du vieux film, oui. Et sauf que là, tu l'intègres en série, quoi. Et c'est assez flippant, quoi. C'est là que tu dis que... Non, rien, en fait, tu dis juste que c'est flippant. C'est ça. Et je pense que, mine de rien, sur les tueurs en série, il doit y avoir pas mal de documentaires, justement, et je pense que, dans le fond, il y en a beaucoup qui se font jamais prendre, hein. Ah bah, tu vois, on nous rassure au niveau des films et tout ça en disant ouais bon il a été arrêté à la fin. Dans le fond, je suis assez persuadé que il y a une tétrachie de tueurs en série qui se font jamais prendre. Et ça, c'est plutôt flippant. Tout à fait. Ouais. Ça te fait peur un petit peu dans ton petit corps? Pas plus que ça, parce que le risque il est partout. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Le risque il est partout. Il est partout. C'est vrai, si ça tombe là, l'immeuble il va se mettre à brûler, on va toaster dedans. Ouais. Mais au moins, on sera en train de faire un truc qu'on aime. Voilà, on va mourir avec le pinceau à la main, les gars. Avec la figurine qui fond comme ça. Non, je lâcherai pas. Alors, Guldur qui dit l'échec est le meilleur des professeurs. Oui, c'est pas faux. Il y a Thierry Var qui dit pour la douche, il va falloir mettre Peggy 18. Ça, c'est vrai aussi. Il y a Paris Yannick qui dit un fou dangereux. C'est possible aussi. Alors, non, Montpellier, c'est moi qui suis à Toulon. Snorri qui dit voilà. À Toulon. C'est la ville où je suis né. Toulon, non, je ne vais pas à Toulon, a priori. Il y a Guldur qui dit ce schéma est beaucoup trop loyaliste. C'est pas faux. C'est pas faux, parce que là, franchement, pour être loyaliste, il est super loyaliste. Du coup, en fait, j'avance encore un petit peu, hein, toujours pareil. Je prends mon jaune tranquillement, j'avance. Alors. Je vous préviens, la figue est longue, on ne va pas la finir durant ce live. Je pense que là, c'est le petit live pour annoncer le début des vacances. Après, pendant les fêtes, je ne pense pas en faire. Je reprendrai tranquillement peut-être la semaine de la rentrée à la fraîche. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, il faut, hein, un moment, il faut faire une petite coupure quand même. Ouais, estival quoi. Estival. C'est pas mal. Bah, après, j'intéresse plutôt ce live la fin de l'année de peinture. T'as dit quoi? J'ai pas compris. Le dernier live de l'année.
Tout simplement, faut pas avoir, Ah faut oui, pas avoir là, peur, oser comme tu disais depuis ah tout à ouais, l'heure quand on parlait. c'est vrai, c'est vrai. Dernier live de l'année, c'est beau. Et le truc, c'est qu'après, je me dis, c'est chouette de t'avoir avec moi. Et est-ce que ça pourrait en intéresser certains d'entre vous, peut-être de venir en inviter comme ça, peindre un petit peu avec moi, tranquillement mais sûrement, à l'atelier, découvrir l'atelier, voilà. Donc, je pense que je vais faire ça parce que je pense que ça peut être très sympa. Et puis, ouais, ça peut être des chouettes moments. Qu'est-ce que t'en penses, Tout toi? à fait. Personne très agréable à l'accueil. Il y avait quelqu'un à l'accueil. Oui, toi Ah tout oui, simplement. d'accord, Voilà, d'accord. c'était Parce que toi je que je me disais, parlais. c'est pas mal en fait. Putain, je savais pas qu'il y avait quelqu'un à Non, l'accueil. non, non, non. Ouais, mais je. Il accueille les bras ouverts, les gars. Allez-y, hein, franchement. C'est Une gentil quand même. personne très. Bah attends, tu me connais pas encore bien. D'ici la Non, fin de la soirée, mais. si ça se trouve, Ouais, c'est toi tu qui vas vas me faire me vomir. tuer. Ah ouais. Non, ou peut-être à la fin de la session, tu vas peut-être me tuer, Ou j'hésite trop de peut-être pas. café, ou trop de café. Tu as pensé à ça? Trop de café, oh. Ouais, on va faire une crise de caféinite aiguë. Ouais. Mais non, non, bon, en tout cas, merci, c'est Non, très, très c'est une gentil. personne très ouverte d'esprit qui. Bah, vu qu'on a parlé d'homosexualité avant, je tiens à préciser quand même, je suis ouvert, mais Mais pas à ce vis-à-vis de point-là. l'accueil. Mais voilà. Non, non, mais je rigole. Bah, en tout cas, c'est trop gentil. Non. Je fais des blagues pourries aussi, puisque je suis gêné de ces petits compliments. Mais c'est très, très adorable de ta part. Mais ouais, je me dis que ça peut être sympa, par live à chaque fois, d'en recevoir un de vous qui est chaud pour venir me voir, tout simplement. Bon, après, on est sur Paris, il faut pouvoir venir, parce que toi, t'es en banlieue parisienne, du Oui, je suis coup. du 94, à Et côté d'Orly. ça t'a fait combien de temps à peu près pour venir? Là, avec les bouchons, j'en avais pour 55 minutes. Ah, ça va quand même en Oui, fait. s'il n'y avait pas les bouchons, Il y avait des bon. bouchons. Ouais, il y avait des bouchons, même le dimanche. Ouais. Ouais, mais là, c'est pas parce que les gens en fait ils vont dans leur famille et tout ça. Non, non, sur le périph', c'était bien, c'était bouché, donc Ouais, non, en fait. les gens sont de sortie, les magasins sont encore ouverts. Ouais, les Ouais. gens ils en profitent un petit peu, ouais, je pense. C'est le dernier cara pour faire les cadeaux de fin d'année. Je pense que les gens ils foncent, quoi. Ils cherchent pas à comprendre. Donc vous voyez, ça avance quand même plutôt bien, même si les surfaces sont assez petites, mon pinceau est flingué. Mais globalement, on avance en step by step. C'est vrai que là, par exemple, sur les ailes, je me rends compte que les ailes ont un petit peu pris la poussière. J'ai déjà demandé, mais j'ai pas vu de réponse parce que j'ai pas levé la tête comme un boulet. N'hésitez pas à me dire si l'image est OK de votre côté, si c'est assez net et tout ça, hein, parce que sinon, je peux Il y a toujours Maxime qui te pose essayer. la quelle est la couleur de sur la palette, s'il te plaît. Ah oui, bien sûr. Alors la couleur, c'est du jaune mat, mes enfants. Tout simplement, chez Prince Auguste, c'est un jaune qui est assez couvrant pour finir. Et vu que j'avais ce couché en noir et que je voulais me faire... J'avais déjà commencé cette figurine dans un précédent live, je crois. Et vu que je voulais me faciliter un peu la tâche, j'ai décidé de sous-coucher en noir. Étant donné qu'il y a beaucoup de détails, je comptais pas spécialement passer et bosser dessus à l'aéro. Mais c'est vrai que, bon, avec du recul, je me dis, putain, le non métallique là, ça va être long. Mais en même temps, bon, ça me permet d'avoir un résultat sympa sur un temps pas trop important. Enfin bref, après ça, c'est du calcul de peintre. Moi, c'est vrai que quand je bosse de façon générale, j'ai tendance toujours à me dire, ok, ça va être quoi la méthode la plus efficiente? C'est-à-dire, c'est l'efficience, c'est vraiment le principe de se dire être efficace, mais dans un temps donné, en tenant compte du temps que cela va prendre. Et c'est vrai que c'est un peu une déformation pro, c'est-à-dire que je vais pas me dire, allez hop, je me fais cette pièce, je prends mon plaisir et hop. Moi, il y a toujours cette petite notion de temps, mais c'est aussi une notion qui me fait plaisir. J'aime quand même bien rusher. Toujours été un truc, je sais pas pourquoi. Toi, par exemple, quand tu peins, t'aimes bien être zen. Moi, oui. Oui, tu prends Ouais, ton excuse-moi, j'étais temps. tellement à fond que Ah, c'est ta normal. question, elle est. C'est pas évident de parler et de peindre en même Ouais, c'est temps. ça. Bah, je me parle à moi-même, mais que Déjà? dans ma tête. Ouais, c'est chaud, C'est chaud là, je suis dans le caca. Non, 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 mais plus sérieusement, quand tu Non, peins, c'est vraiment en mode détente, tu calcules. dans l'ensemble, ouais, c'est très détente, mais j'adore avoir un fond sonore. C'est. Ah, c'est le truc. Ouais, c'est. Je veux pas être trop dans le calme non plus.
Parce qu'à un moment, je pense que ça va pas me stresser, mais ça me saoulait tout simplement, ouais, comme ouais, tu dis. Mais je pense qu'on a besoin d'un peu de bruit. C'est un bon film, un film derrière, d'accord. De la musique. Mais la question, c'était plutôt dans l'optique. Oui, c'est toujours zen, ouais. C'est une détente zen. Ouais, mais par exemple, imaginons, je dis n'importe quoi, mais je sais que tu m'as dit que tu kiffais les nains. Mais à un moment donné, tu jouais nain. Oui, oui. À Battle. Du coup, quand tu jouais nain, par exemple, tu savais que tu allais jouer le week-end ou quoi, est-ce que tu disais, allez, challenge, je me peins toute une unité? Ouais, ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé, ouais. Et tu trouvais ça sympa? Tu trouvais ça un peu trop stressant? Stressant, oui, quand tu arrives vers la fin de la date butoir. Au début, ça va, tu es à peu près zen. C'est motivant, non? Mais c'est motivant, ouais. Ouais. Ben, c'est un peu le principe des CDA, d'ailleurs, que fait French War Game Studio. D'ailleurs, un gros big up à lui, qui fait toujours des vidéos de ouf. On en parlait aussi avant le début du live. Ça a été quelqu'un qui nous a bien oui. boosté, qui a bien boosté la communauté en général. Et pour ça, on l'en remercie encore. Et du coup, je trouve que le CDA, le principe de base, est super dynamisant, je trouve. On va en annoncer un peu officiel avec Happy Games, je pense, bientôt. Pour aussi se motiver, ça va nous permettre aussi de faire un live voilà, en prenant comme référence un peu ce que fait Julien, parce que je trouve que c'est vraiment juste top, quoi. Et je trouve que du coup, il nous oriente toujours à nous dépasser, à regarder, à essayer de faire aussi bien. Hein. On va dire à essayer de faire aussi bien, parce qu'il met le paquet. Hein, et Je dirais même que Julien, c'est comme un prof de sport. Quand vous allez dans une salle de sport, il est toujours là pour motiver. Ben Julien, c'est pareil. Ouais, c'est vrai ça. Il y a ce côté coach. Coach ouais. En disant, les gars, allez-y, n'ayez pas peur. Ben, comme toi, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu répètes assez le mot oser. Et ce mot-là, c'est peut être que le mot-clé pour vous booster. Oser. N'ayez pas peur. Je lui ai dit, au début, ma technique de peinture, elle était pas. Elle stagnait. Et le mot osé m'a dit, fais-le. Ma conscience l'a fait, naturellement. Mais le résultat était là. C'est vrai que sur ton Space Wolf, parce que du coup, tu me l'as envoyé en photo. Ouais, ouais. C'était ton résultat, il est super, super sympa. Et c'est vrai qu'au final, quand on ose, le seul truc qu'on risque, c'est de progresser en faisant potentiellement des échecs. Mais dans le fond, qu'est-ce qu'on s'en fout? Ça reste que du pitou, quoi. Oui, tout à fait. Il ne faut pas non plus prendre le truc trop au sérieux. Et c'est vrai que le seul truc, c'est de se dire « Ah merde, j'ai fait moins bien que ce que je faisais avant. » Mais c'est normal de passer par une étape de moins bien avant d'avoir du mieux, en fait. C'est inéluctable. Tu peux pas avoir tout de suite du mieux. C'est très rare. Après... C'est l'intérêt, c'est ce que je te disais, hein, d'un cours de peinture. Typiquement, un cours de peinture, l'intérêt, ça va être qu'en fait, tu vas, capitaliser sur les erreurs qu'a déjà fait ton prof. Ouais. C'est con, hein, mais parce que du coup, tu vas tenir compte de ce qu'il va te dire, que lui-même, par contre, tu vas intégrer différemment. C'est-à-dire que peut-être qu'à un moment donné, dans ta phase de peinture, tu vas devoir apprendre... réapprendre ce que tu savais déjà en faisant des erreurs, tout simplement. Ou quelquefois réapprendre des choses qu'on avait déjà apprises, mais... Mais de façon un peu basique, scolaire. Et en fait, un jour, tu vas dire, bon, je vais essayer différemment. Et tu vas te rendre compte que, voilà, des fois, ça marche, des fois, ça marche moins bien. Mais c'est vrai que c'est cool de... Voilà, faut y aller, faut se lâcher. Faut oser, ouais, tout simplement. Ouais. Comme tu le répètes. Osons. Après, c'est vrai que putain, je suis pas forcément près de la figurine, je me rends pas compte, mais il y a plein d'arabesques dans tous les sens, c'est un truc de ouf. Ah bah merci le sculpteur de chez Games. Ah, ouais. Non, mais les sculpteurs de chez Games, c'est des tueurs. Mais le problème, c'est que putain, là, il faudrait vraiment qu'il y ait moins de détails. Non, pas sur cette pièce. Parce que juste, c'est Reboot Gulliman, déjà qu'il a un prénom de merde. Déjà, ouais. Désolé hein, pour tous les puristes, hein. J'aime beaucoup cette figue, elle est très belle. Hein. Vous inquiétez pas, hein, je reste un fier partisan de Games Workshop. J'en bouffe à tous les repas. Leurs figues sont tellement belles. Franchement, en plus, quand tu te mets à la figue, le truc positif, c'est que tu te drogues pas. Parce que t'as plus de tâches. Il y a Totoche qui passe le salut mot.
Ah, ça fait plaisir. Coucou Toto69 Zapin, une petite question. Pourquoi la plupart des figues Eden sont en métal et non en résine? Plus simple pour le moulage, plus rentable, meilleure qualité. C'est un mix de tout ce que tu viens de dire. Alors, j'avais déjà fait un article dans Rava il y a longtemps où j'expliquais la différence entre résine, métal et plastique. Il faut savoir qu'en gros, c'est difficile de répondre simplement à cette question, donc je vais essayer de faire une réponse un peu complète parce que du coup ce soir on a le temps. La résine, c'est ce qui existe de plus qualitatif, dans le sens où c'est ce qui retranscrit le mieux la sculpture originale de la pièce. Donc ça, c'est le premier point. Le bémol de la résine, c'est que, et il y en a globalement deux, en termes de production, c'est une production qui va être artisanale. Donc on va avoir une empreinte ou plusieurs empreintes par moule, mais quoi qu'il en soit, il va falloir couler ce moule, attendre que la résine sèche. Ça peut à peu près 10-15 minutes, et faire de même, de même, de même. Donc ça limite énormément la quantité qu'on peut produire. Le deuxième point un peu délicat, c'est que pour des joueurs casus, on va dire, ou des gens pas forcément très habitués à la figurine, mais en fait, la pièce, elle peut être cassante. Et ça, c'est un autre problème. C'est-à-dire que la pièce peut être cassante. Ce que je conseille d'ailleurs aux gens, c'est de ne même pas tiger la résine. Parce que la résine, il vaut mieux qu'elle casse de façon nette, parce que derrière, ça se recolle très facilement au pinceau. Donc ensuite, on passe au métal. Beaucoup de figurines Eden sont en métal, parce qu'en fait, c'est quand même l'alliage idéal pour gagner en solidité pour les joueurs un petit peu classiques. La gravure est quand même d'assez bonne facture, un peu en dessous de la résine, à peine un peu en dessous de la résine, mais clairement au-dessus du plastique. Et en fait, on va avoir des méthodes de production qui vont être vraiment entre l'artisanal et la production un peu plus de masse. Pour vous donner un ordre d'idée, vous faites à peu près du x 10. C'est-à-dire que, par exemple, de la résine dans chaque moule à l'usure et au fur et à mesure de la journée, on va pouvoir faire un moule sera jeté au bout d'une trentaine de tirages. Pour du métal, ce sera plutôt aux alentours de 300-400 tirages. Et enfin, pour le plastique, en fait, il n'y a pas de limite. C'est-à-dire qu'en gros, on paye un moule très cher, mais celui-ci est réutilisable à l'infini. Par contre, le moule à l'achat va être plus cher. Donc, j'espère que j'ai répondu de façon à peu près complète à ta question. Et nous, le choix du métal s'est fait essentiellement pour ça. Aujourd'hui, en gros, pour Eden, ce qui va se passer, c'est qu'on va, de par le fait qu'on s'est rendu à l'évidence que on n'arrivait pas à avoir des volumes de vente assez conséquents, on va de plus en plus passer par des très courtes campagnes Kickstarter. Et du coup, on va opter pour la résine au début, parce qu'en plus, ça donne un côté prestige, parce que finalement, la résine, c'est quand même plus complexe, mais en même temps, si on a les quantités précises, on sait les tirer dans notre petit atelier. Après, il y a un savoir-faire qu'a développé aussi Yo, mine de rien, au fil des années. Ça fait 3 ans qu'Happy Games s'est créé. Yo nous a rejoint, ça fait un peu plus d'un an. Donc, un an ou deux, je sais plus, putain. Mais bref, en tout cas, tout ça pour dire que voilà, on est fiers de ce qu'on sait faire en résine. Donc ça, c'est chouette. Et on va mettre le paquet, je pense, là-dessus pour les mois à venir. D'ailleurs, je vous conseille de venir si vous voulez en voir un peu plus. Je pense qu'on fera des explications, des démos pendant les Happy Factory Day qui auront lieu les 2 et 3 février. T'as pris ton billet, toi, Jonathan? Les Happy Factory Day. Je le prendrai à partir du moment où je trouverai ma figurine à peindre. Ah, c'est cool. Mais je te mets pas la pression, je dis ça Non, comme mais... ça, hein, tu sais, tu. Mais moi, je trouve que c'est sympa parce que je me dis que, tu vois, il n'y a plus tellement d'événements figurinistiques à Paris. Nous, ça va permettre de faire des démos de peinture. On va y avoir des tables où les gens vont pouvoir se poser et peindre. Voilà, ça va être un chouette moment, bien convivial. Enfin, j'ai hâte d'y être pour vous croiser aussi, pour pouvoir papoter avec chacun. Mais je t'avoue que les concours de peinture me manquent aussi, hein. Ouais, et puis faire un petit concours de peinture. Alors là, vraiment, l'ambiance est bon enfant. C'est-à-dire que, évidemment, qu'il va y avoir des gagnants et des perdants. Mais va surtout y avoir des retours d'expérience Bah, c'est ouais, et un apprentissage non c'est négligeable, surtout quoi. ça que je Et il va y avoir que je voulais développer, quoi. C'est donc il va y avoir Seb Lavigne, le talentueux Seb Ah Lavigne, il va y ouais. avoir Giriot, il va y avoir Damag, il va y avoir pas mal de peintres super talentueux et adorables, il va y avoir Julien Kemener, il va y avoir pas mal de peintres de talent, et je trouve que c'est un super moment pour partager, quoi.
Enfin, peut-être y avoir aussi, mais ça c'est en cours de confirmation, le gagnant du Best of Show de l'année dernière. On a créé un Best of Show parce que franchement il a présenté dans toutes les catégories et ce qu'il a fait c'était tellement beau qu'on s'est dit bon, sinon il va être premier dans toutes les catégories. Que fait-on? Et avec l'accord de chacun, on lui a créé un petit prix spécial à Thierry Haidt, qui est vraiment très très fort, un gros big up à lui. Malheureusement, pour le moment, vis-à-vis de son taf, il ne sait pas nous dire s'il pourra en être ou pas. Alors voilà pour la longue réponse à ta petite question. Guillaume Fustaillon, bon, j'ai une connexion de campagne, donc je regarderai la rediff. Désolé, je vous laisse. Allez Guillaume, à bientôt, t'en fais pas, la rediff sera là. Il y a Thierry Var qui dit il y a aussi notre super Grégory qui fait des CDA. J'attends toujours avec grande impatience ses lives du lundi soir. Oui, évidemment, il y a Grégoric, donc du pain et des jeux, mais il a aussi sa chaîne à lui. Enfin bref, Grégory qui est aussi une putain de référence, qui est toujours hyper dynamique. Enfin voilà, c'est vrai que je cite pas tout le monde parce que bah, enfin, ça serait super long, mais évidemment, Grégory, il y a aussi le blog de Hugo. Mince, c'est quoi? C'est 50 nuances de violet, je crois. J'ai eu peur quand t'as dit 50 nuances. Ben, je le sais, mais je crois qu'il a fait exprès. Il est malin. Mais, et du coup, en fait, il y a ce type de blog. Et c'est vrai que Grégory, moi, j'adore ses vidéos. Elles sont très inspirantes parce que, ben voilà, on sent que le mec, il sait faire de la vidéo. J'aime bien aussi ses petites vidéos. Je ne sais pas si vous avez vu de montage où en fait il monte une figurine games et en même temps elle tourne. Enfin, c'est trop sympa quoi. Donc, ouais, n'hésitez pas à aller y faire un petit saut. Il y a l'antre de Grégoric, il y a du pain et des jeux, il y a, voilà, il y a plein de choses. Ensuite, à monsieur Mendeleff, un conseil ou deux pour quelqu'un qui cherche à lancer son propre jeu. Alors, un conseil ou un deux, bien sûr. Déjà, franchement, sincèrement, lance-toi. Sois fier de ce que tu fais, sois fier du travail que tu accomplis. C'est extrêmement important et surtout, n'hésite pas à en parler parce que ça part de là. En fait, c'est comme dans tout, en fait. Quand on veut entreprendre quelque chose, la première étape, forcément, c'est d'en parler. Mais d'en parler de façon déterminée, pas nécessairement... voilà. C'est important parce que ça va vraiment... permettre aussi d'assumer ses choix et tout ça. Ensuite, il faut évidemment s'armer de patience. Je déconseille fortement de précipiter les choses, de faire les choses à moitié et tout ça. Il faut prendre le temps, il faut se poser, il faut chiffrer, faut se faire violence en fait. Et il faut se faire accompagner, si jamais il y a des trucs qui te font trop chier, par des gens qui sont compétents. C'est crucial, c'est extrêmement important. Moi, souvent, en fait, j'ai été mis en avant vis-à-vis d'Happy Games Factory. Maintenant, il y a tellement de gens derrière Happy Games Factory que moi je commence à m'éclipser aussi parce qu'au final, c'est des gens qui sont ultra compétents et potentiellement bien plus compétents que moi. Et si tout ce temps-là, je me suis beaucoup mis en avant, je pense que ça a été une erreur de ma part parce qu'il aurait fallu mettre ces gens-là en avant parce que c'est des gens super compétents. Mais c'est vrai que ça fait toujours un peu peur d'assumer un peu ses idées et tout ça et de passer devant la télé. Donc c'est vrai que c'est moi qui avais jusqu'à présent pris ce rôle et c'est en train de changer. Et ça, je peux te dire une chose, c'est que seul, tu seras forcément fort, mais à plusieurs, ça va vraiment décupler les choses. Donc n'hésite pas à te faire une petite équipe, à voir s'il y a des gens qui sont motivés par ton projet, à trouver des ententes pour que ça avance. Tout ça, c'est très très important. Mais surtout, crois toujours en toi parce que personne ne le fera pour toi. Donc ça, c'est un truc qui est l'un des trucs mais super fondamentaux. Et en fait, on ne s'en rend pas compte. En fait, on rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au fait de oser, quoi. Il faut oser, il faut se lâcher, il faut en parler, faut aller au bout de ses idées, faut être aussi réaliste. C'est-à-dire qu'il faut commencer à budgétiser, à se dire « j'ai besoin de tel montant pour monter mon truc ». Toujours prévoir un peu plus parce qu'il y a toujours des surprises. Moi, à la base, je suis pas du tout. Enfin, je suis pas né entrepreneur. Hein. Je pense que personne ne naît entrepreneur. Et quand j'ai créé à la base Happy Games, c'était avec mes propres deniers à mon petit niveau. Mais je pense que il y a des choses qui peuvent se faire, mais bien mieux. Hein. Encore une fois, j'ai appris voilà dans cette optique-là. Mais je pense qu'on peut
On peut toujours vraiment bien s'en sortir si jamais on pose bien les plans, si on équilibre bien ces choses. Et c'est très important d'être accompagné par des gens compétents, les plus compétents que tu puisses. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. C'était un peu. C'est un peu parti dans tous les sens, mais j'espère que j'étais à peu près clair. David Arnesen, il y aura des peintres pros en atelier aussi sur place. Oui, David, il y aura des peintres pros. Il y aura Damag, entre autres choses, qui est super motivé. Et ça me fait plaisir parce que c'est vraiment une crème. Et il y aura plein de choses. Même moi, je serai présent. Donc, il n'y aura pas vraiment de soucis. Il y a voir la France qui dit espérant des participants. Trop de barbus dans le hobby. Eh ouais, mais on aime ça, nous, les barbus. Désolé, moi, je suis rassuré, les gars. Il y a Julie qui dit bonsoir à tous, bonsoir les garçons, bisous Julie, on t'aime fort, enfin surtout moi. Il y a Thomas Inizé qui dit salut Julie, une chanson. Elle va rester celle-là. Attends, je te coupe de... Julie, je te le pique pas, t'inquiète pas. Ah, je suis rassuré parce que je te jure, Julie, j'ai eu peur à un moment donné. J'étais à ça de m'échapper. Il y a Akerwald Victor, question à propos de ton LMM sur les ailes. Tu fais un lining appuyé sur les arêtes de chaque plume, mais comment colores-tu l'intérieur de la plume? Alors, en fait, si tu regardes, je ne sais pas si on voit bien, parce que c'est toujours le problème avec cet écran. Je vais check en mode... Oula, non, c'est pas ce que je voulais faire. Alors, voilà. Donc, en fait, je ne sais pas si on voit bien, mais là, pour le moment, en fait, l'intérieur de la plume est peint. Sauf que j'ai poussé mon jaune pour qu'il soit intense ici. Ensuite, je reviendrai s'il faut, tout simplement avec un marron sombre, selon le type de jaune que je veux, pour venir, en fait, hop, là, refaire mes transitions dans ce sens-là. Et ensuite, je viendrai avec quelques pointes de blanc sur les arêtes. Voilà comment je vais m'y prendre. Il y a Monsieur Mendeleev qui dit merci pour la réponse. Mais de rien, de rien. Et sache que, voilà, si tu veux quelques petites infos au début, faut pas hésiter, tu me mets un petit message. Je l'avais fait à l'époque, c'était qui déjà? C'était Alexis de Medfan Games qui m'avait contacté, qui m'avait posé pas mal de questions. Je lui avais répondu. Je peux très bien faire de même. Donc, n'hésite pas. Après, je ne rentrerai pas non plus un milliard de temps dans les détails et tout ça, parce que ça peut vite devenir très long. Mais, voilà, quand quelqu'un se lance et tout, j'aime envoyer un petit message, parce que je trouve que ne serait-ce que le fait de se lancer, en soi, c'est déjà beau, quoi. Et franchement... Voilà, non, c'est tout en fait. T'as vu? Ouais. C'est dingue. Ça va pour le moment, toi, tu t'en sors? Ouais. Tu en es vite fait? Montre, allez. Montre ton travail. Ah, c'est cool. Donc, t'as fait base, puis encre. Encre, et je suis reparti après sur des. Sur des éclaircies. Des éclaircies, et j'ai ombré un peu sur avec le. Et juste sur la partie haute. Tu ombres partout ou... J'ombre partout, ouais. Parce que n'hésite pas, par exemple, là, tu peux très bien te permettre de revenir avec une couleur très claire de chair et juste tapoter là, là, sur le nez et laisser la partie basse un peu sombre. Tu vois. Ouais, bah, je pensais éclaircir juste les pointes de nez. Ouais, c'est ça. Bah, un peu comme tu as fait sur la main, tu vois. Je peux te prendre ta lumière, elle est chouette. Je pense aller jusqu'au... la pointe du nez, les narines, un peu sur le dessus de la pommette. Ben c'est ça en fait, parfait. Et le dessus de l'oreille avec le lobe. Ben ouais, c'est parfait. Après, est-ce que tu peux te... Si tu as envie de pousser certains petits effets rigolos, tu peux très bien checker, en fait, mettre un petit peu de bleu marine foncé sur le bas du visage, légèrement. Ça lui fera une petite début de barbe de quelques jours, tu vois. D'accord. Ça peut être super sympa. À test. Il faut tester. Eh ouais, c'est ce qu'on se disait. Alors, il y a Pollux qui dit qu'il ne peut pas rester malheureusement, mais qui nous souhaite de bonnes fêtes. Gros bisous à toi et bonnes fêtes aussi. Bah, bonne fête, hein. Il y a Akerval Victor qui dit « Je suis bigleux, comme c'est pas permis, du coup, je galère à voir comment tu peins. Merci pour la réponse. » Alors, pas de soucis quand tu vois pas bien. Il faut juste prendre un peu de recul, avoir les bons outils. Et après, il y a plein de niveaux de peinture différents. On n'est pas obligé de se prendre la tête outre mesure. Tu peux rester vraiment sur du classique avec des encres, ce genre de système-là, en fait, qui fonctionne très, très bien. Donc, voilà. Il ne faut pas se stresser et il faut vraiment y aller petit à petit.
Hop là. Donc, je continue tranquille. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer avec mon petit jaune. Tranquille, on est sur ma... À un moment donné, je vous quitterai peut-être pour aller aux toilettes. Ça, c'est le stress des examens. T'es au courant, hein? Ouais, tout à fait. Comme ça, rigole, rigole, mais c'est toi qui vas prendre ma place, tu sais ça? Ah ouais. Il faut que je compte pour combien de temps? Bah, j'ai un petit pissou, hein, ça devrait aller vite, quoi. Je vais pas poser une grosse pêche. Je suis pas un mec comme ça, je vais pas t'abandonner, tu vois. Je suis pas non plus aussi dur que ça, tu vois. Ouais. T'imagines? Non, mais... En voyant le personnage au début, on se dit, oh, il doit être dur. Eh ben non. Ben non. C'est une personne adorable. Ouais, c'est gentil, ah. Ça. Arrête, avec tes compliments, tu me fais rougir. Je dirais même que c'est un gros nounours. Ah, c'est gentil, ça, dis donc. Là, je vous dis, hein, les amis, je serre les fesses. Je vous le dis honnêtement. Non, j'aime trop les femmes. Bah, ça, je t'assure. Alors, ça va. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, ce que je vais faire juste comme ça pour que ça avance un peu et que vous voyez, parce que tout à l'heure la question elle était assez pertinente sur comment justement j'allais ensuite revenir pour affiner le tir. Donc je vais peut-être le faire, comme ça au moins certaines parties seront s'il faut un peu plus avancer, et ça vous permettra d'y voir clair aussi sur comment je m'y prends pour commencer et finir. Qu'est-ce que t'en penses? Excuse-moi, je t'ai pas. Mais ça, c'est un truc de dingue. T'es ouais. Concentré, hein, ouais. Quand tu peins, j'ai tellement l'habitude d'être concentré que. Qu'en fait, t'es là, mais t'es pas là, en fait. C'est ça. En fait, t'aurais pu rester peindre chez toi aussi. Hein, c'était... Mais. Je te taquine. Bah, elle était trop facile. Ouais. Elle était trop facile. Ah ouais, mais. Moi, à la maison, pareil, hein, quand c'est un live, et des moments, je suis obligé d'arrêter de peindre. Parce que la plupart du temps, je peins. Ah oui, t'es tellement concentré. Que quelquefois, c'est souvent une petite question où. Ou une technique que tu dis, voilà, je vais faire ci comme ça, et bah, je m'arrête et regardes. Et je regarde. Et à partir du moment où bah, j'arrête vraiment de peindre et je regarde le live jusqu'au bout, parce que sinon. D'accord. C'est marrant ça. Mais je pense que c'est un entraînement après. Hein. C'est, comme tout. Hein. Ouais, je pense que c'est pas forcément. De toute façon, je pense pas que ce soit forcément pratique et facile de peindre. De faire plusieurs choses en même temps. De toute façon, ça, c'est clair, net et précis, que c'est pas forcément donné à tout le monde. Je reviens tout de suite, je vais juste chercher une teinte ici, qui prête plus, parce que je trouve que le marron que j'ai utilisé manque de rouge. Et je trouve ça un peu moins sympa que... Hop, voilà, du terre de sienne, ça va très bien. Il y a le Black Red, aussi. Ouais, le Black Red, il fonctionne bien aussi. Bon, je suis au terre de sienne, bon, de toute façon, c'est très proche, en fait. Terre de sienne et Black Red. Je vais même me mettre un peu de noir comme ça, je suis tranquille. Et pour finir, un peu de blanc. Comme ça, j'ai toutes les armes dont j'ai besoin. Alors, n'hésitez pas hein, si vous avez des questions, les gars. Mo, tu fais les ornements avant l'armure? Alors, ouais, parce qu'en fait, ça va paraître bizarre, mais il y a très peu finalement de bleu sur cette figurine. Si on regarde bien, ça va être des petites zones. Et ouais, je le sens plus comme ça. C'est pas toujours le cas, hein, mais là, en l'occurrence, je le sens bien comme ça. Donc là, je reviens encore une fois à finir le tir. Donc là, c'est un peu brut de décoffrage, donc on va venir vraiment affiner. Et on va revenir avec le noir. Bon, mon noir s'est complètement mélangé au blanc, mais c'est pas grave. Je réussis toujours à en récupérer un peu. J'avoue que j'en tire pas une. Je suis pas très fier. Hein. Quand on est à côté d'un bon peintre, hein, on se trouve un peu médiocre à côté. Mais pourquoi tu dis ça? Attends, tu peins très bien, t'as un très bon niveau. Je vois pas. Non, le comme on se le disait, le truc c'est vraiment de se faire plaisir, quoi. Et puis c'est vrai qu'au final, tu vois, ce qu'il en ressort, c'est qu'on prend autant de plaisir l'un et l'autre. Oui, non, tout à fait. À peindre, c'est ça qui est important en fait. Et puis je t'avoue que moi-même, il y a des peintres hyper doués qui, voilà, hein, qui me font rougir aussi, parce que bon, ouais, quand tu vois ce qu'ils font, faut pas croire. Hein. Donc là, je reviens encore de nouveau au jaune pour marquer encore plus l'éclat du jaune.
comme vous pouvez imaginer, c'est foutrement long du NMM. Mais bon, ça fait partie du truc. Pour avoir des beaux éclats. Ça va, t'es quand même bien installé ou... Ouais, non, c'est... Je pense que petit à petit, j'améliorerai ça. N'hésitez pas, du coup, à me dire si vous voulez passer me voir et peindre. Vous m'envoyez un petit message privé directement sur mon compte. Mohamed Aït Mehdi, hein. C'est pas très compliqué. Ne vous trompez pas, peut-être, parce qu'il y en a plein, mais je pense que sur ma photo de profil, c'est assez clair que c'est moi. Mais je pense. Hein. C'est comme ça, Jonathan, que tu m'as contacté. Oui, c'est ça. Bah, quand t'as posé la... Lors du dernier live, ouais. Ouais, quand t'as suggéré cette idée-là, je me dis pourquoi pas, allez, je saute le pas. Ouais, t'as bien fait, t'as osé encore. Voilà, une fois, c'est ouais. Ça aurait pu être ouais. Moi comme quelqu'un d'autre, hein, de toute façon. Merci David Herbs qui dit terrible la figurine. Ouais, l'armée Custodes, t'en as pour loin. Après, il y a Nicodes qui a fait une superbe armée de Custodes, là, en NMM, justement, et ouais, t'en as pour long. Après, honnêtement, je pense qu'en usant de l'aéro, je pourrais gagner un temps fou avec des méthodes assez simples. Mais c'est vrai que sur cette pièce hyper emblématique, ouais, l'aéro, si, ça m'aurait quand même fait gagner du temps, je pense. Mais c'est vrai que là, j'ai commencé sans et je compte finir sans, en fait. Mais clairement, ça va être très... Je pense que ça va être très très long. Mais voilà, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et on va finir. Et on va finir cette petite pièce tranquillement. Moi, je sais pas quand, mais je vais la finir, c'est sûr. Ouais, demain, départ pour le sud. Putain, je prends le train super tôt, par contre, ça va me faire mal à la tête, ça. Ah, pas de grasse mat, hein, comme on dit. Bah, oh, tu feras dans le train. Ouais, je passerai dans le train, ouais. En plus, je passe par Avignon, je passe par... Ah, tu fais un stop à Avignon. Ouais, ça, c'est bizarre. D'habitude, il y a des directs, et puis là... Bah ouais, surtout pour un très tôt, comme ça. D'habitude, c'est plutôt direct, non? Bah, c'est ça, oui. Surtout très tôt le matin, comme ça, que je descendais à Roquebrune sur Argent pour des tournois. Et je faisais un direct à Avignon. T'as fait beaucoup de tournois battle du coup? Ouais, j'en ai fait pas mal à l'époque. Je tournais dans une année, je tournais à 10 tournois. Mmh, quand même. Hein. Je faisais surtout le tout premier tournoi que j'ai fait, c'était à Sweat Games qu'ils avaient fait quand ils étaient descendus dans le sud là. Quand j'ai mis à Aix. Mon premier tournoi. J'ai osé le premier tournoi, comme on dit, très humblement. Très humblement, ouais. Ouais. Où j'ai rencontré des gens formidables. Et, ouais, c'est cool. De toute façon, sincèrement, il n'y a rien de mieux que les événements, que tous ces moments-là, parce que c'est vrai que c'est là que tu vois les vrais hobbyistes, quoi, en chair et en os. Et c'est vrai que cette année, on a fait pas mal de petits events. On était à Octogone, c'était super sympa. On était à... Enfin, voilà, ici, là, on va aller à Cannes encore. À Cannes, tous les ans, il y a un gros tournoi 40K aussi. Mmh. J'espère qu'il aura encore lieu cette année. Mais c'est cool, ça vit vachement, quoi. On se rend pas compte, hein, qu'il y ait autant de... On se rend pas compte qu'il y a autant de gens dans notre hobby qui ont envie de partager. Mais en fait, ouais, on a un putain de hobby qui est assez cool. Et qui touche en plus plein de populations différentes. Quoi. Mmh. Et ça, c'est chouette. Donc voilà. Je vais peut-être attaquer un peu de bleu. La question, c'est le bleu avec quoi le faire? Azul et Hadge. Donc franchement, à part leur spécial dry, j'en utilise pas. Moi, je vais tester les pinceaux Citadel, j'en ai marre. Ah oui, Raphaël, nanana. Alors, Mond Art, pour Cannes, est-ce que tu auras ton livre sur ton stand? Je peux pas te donner précis, parce que je sais même plus c'est quand les dates précises de Cannes. Donc théoriquement, je te dirais oui, mais dans les faits,
Hello tout le monde, petite couchée, mes pinceaux sont chauds. Yes, Simon, ça fait plaisir. Elle chauffe pas les trous, parce qu'après vous brûlez, hein, je l'ai. Ah Ouais, j'ai des vannes de merde, faut le dire, les gars. Elles sont pas mal, elles sont pas mal. Bah, on va pas commencer à critiquer tes vannes, déjà que tu ouvres très peu la bouche. Non? Oui, mais ça, c'est. Ce serait... C'est pas évident de parler en parlant. C'est chaud, hein, t'as vu un peu. Tu me l'avais dit tout à l'heure. Hein. Je t'ai prévenu quand même. Ouais. Ah, putain, t'as de la chance. D'habitude, je préviens pas. Direct comme ça, c'est un petit tac par derrière. C'est la surprise. Non, c'est vrai qu'au final, c'est pas si simple. Mais bon, bah, je pense que c'est encore une fois, c'est une habitude. C'est une habitude. Et c'est vrai que moi, tu vois, par exemple, c'est vrai qu'en cours, j'ai toujours parlé. Ça craint, mais j'ai honte de le dire, mais. J'étais toujours un petit peu... en fait, j'avais pas de mauvaises notes. J'étais plutôt bon en cours. Du coup, je pouvais pas poter sans trop me faire allumer, tu vois. T'étais le petit... la petite pipette du... Ouais, un peu, je crois. Hein, je crois. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Après, c'est vrai qu'avec le temps, peut-être que je fabule et que je me fais... Mais je crois que c'était le cas. Et au final, c'est quand même pratique de parler et de réussir à faire quelque chose d'autre en même temps. Après, je suis peut-être pas aussi concentré, mais je dirais que j'ai tellement peint que ça devient un peu ça devient un peu plus naturel, quoi, tout simplement. Hein. À force de peindre, faut pas, enfin, plus on peint et plus finalement on a plus besoin d'y réfléchir pour le faire, quoi. C'est assez marrant. Oui, c'est une habitude. C'est ça. C'était la dernière fois, je regardais, en ce moment, j'ai regardé quelques conférences TEDx qui étaient super intéressantes. Justement, il y en a une sur justement le cerveau un peu et notre capacité à apprendre. Et qui disait qu'en gros, on nous a beaucoup bassinés avec ce système d'hémisphère gauche, hémisphère droit, d'être plutôt créatif, plutôt... Et en fait, c'est des conneries sans nom, en fait. En gros, le cerveau, il va... Ils ont utilisé une métaphore qui était super intéressante, qui était celui d'un sentier de randonnée. Et qui disait, en gros, c'est pas compliqué, le cerveau, un neurone, c'est comme un sentier de randonnée. C'est-à-dire que le cerveau, il va créer des connexions, et plus on va faire de connexions, donc plus d'aller-retour sur ce sentier, et plus le sentier va se creuser jusqu'à tenir contre vents et marées. Alors qu'à contrario, si jamais on fait le trajet qu'une fois sur ce sentier, bah à la moindre brise, à la moindre intempérie, le sentier va être recouvert. Et en fait, il l'expliquait par A plus B qu'en bref, notre cerveau, c'était une super machine et que c'était à nous de le conditionner, de l'orienter. Donc en gros, c'est pour ça. Hein. Enfin, moi, j'ai toujours dit que vraiment, on pouvait vraiment apprendre... De tout le temps et qu'en définitive et ça m'a un peu conforté dans cette idée là où en fait on a beau être un matheux, on peut être ce qu'on veut en fait. Il n'y a pas vraiment De toute façon, il n'y a pas d'âge pour apprendre. Il n'y a pas d'âge pour apprendre et c'est vrai que des fois, tu sais, on part de ce principe je suis moins bon dans tel domaine ou... En fait, c'est des conneries. C'est juste qu'on se limite parce que la société, je pense qu'à force de, en fait, on est plein de préjugés sur nous-mêmes, quoi. Mais non, faut se lâcher, je pense. Bon, moi, après, il y a des domaines qui nous intéressent plus ou moins. Hein. Je dis pas que. Parce que si on se passe, on avait toujours des domaines. On aimerait connaître tous les domaines, on s'ennuie rien, je pense, à un moment ou à un autre. Il y a des gens comme ça. Moi, j'ai un pote en particulier. Je sais qu'il est hyper jusqu'au boutiste. Et par exemple, il va se mettre à faire de la peinture sous figurine, il va en faire à fond. Et puis, si un jour il arrête, il arrête complètement. Et il va passer à autre chose. Et en fait, tu te rends compte que ouais, ton cerveau est malléable. Et en plus, tu vois, ça te permet quand même de garder une certaine fraîcheur que de changer un peu de choses, quoi, en fait. Moi, je peins depuis toujours, mais c'est vrai qu'après, par la force des choses, je me suis mis à gérer une entreprise, à voir un peu comment ça fonctionnait, à réfléchir à comment faire pour que ça tourne et que ça fonctionne. On n'est pas, on n'est pas limité. On n'est pas limité, vraiment pas. Au contraire. Au contraire. Paris Yannick, j'ai une petite question. Est-ce que je pourrais t'envoyer des photos de figurines pour savoir si j'ai un bon niveau et avoir quelques conseils, car j'aimerais me lancer dans l'aventure comme toi.
Alors, pas Yannick. Alors, pourquoi pas? Ceci étant, moi je limite un petit peu. C'est-à-dire que j'ai. Alors, il y a deux choses. J'ai un Patreon sur lequel les gens peuvent me suivre pour avoir des conseils, un cours une fois par mois en Skype et tout ça. Mais évidemment, tu peux m'envoyer ponctuellement une photo de figurine et avoir mon retour. Ça, c'est tout à fait possible. Mais voilà, ça reste du ponctuel. Sinon, après, bah, du coup, j'en finis plus de répondre. Mais oui, c'est possible une fois de temps en temps. Il n'y a vraiment pas de souci. Ce sera avec plaisir. Pour ma part, c'est l'enduit de rebouchage, le sable et la spatule qui sont chauds. Je bosse sur un socle scénique pour un Terror Geist. Putain. Le Terror Geist, c'est vraiment une superbe pièce. Hein. Je crois l'avoir peint une fois. Putain, je ne me rappelle même plus de ce que j'ai peint ou pas. Et putain, la pièce est magnifique. Et ouais, si tu fais un socle scénique pour cette grande pièce, ouais, effectivement, ça doit te prendre un certain temps. Ouais. Courage à toi, parce que ouais. En plus, j'adore. Les morts-vivants ont vraiment une putain de classe, je trouve. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Grave, j'ai plus les voix, plus je suis amoureux. ouais, Games, ils nous font rêver avec leurs morts-vivants. Et du coup, toi, tu penses à te relancer dans une de leurs armées? T'as un truc en non, tête? Non, du tout. Pas trop. Pas du tout. Je reste sur du battle ou le Age of Sigmar, comme ils disent. Non, je suis. Un peu à l'ancienne, quoi. Je suis à l'ancienne. Je reste sur mon battle à l'ancienne, mes vieilles figurines de 80. Ouais, mais récemment... Non, je reste... On va dire, non, tout ce qui est games, il n'y a que le 40K, quoi. Tout ce qui était... donc, du Space Wolf et les sœurs qui vont bientôt sortir. Ça te donne envie, quoi. Ouais. Ça, les sœurs, c'est la deuxième armée de cœur. Il n'y a pas d'autre mot. Ouais, c'est cool, ça. Et du coup, tu en avais déjà de l'époque du métal ou... Oui. J'ai deux escouades de 10. D'accord. Mais c'est vrai que le métal, bon, au bout d'un moment. Je ne sais pas s'ils les avaient ressortis ou pas en Finecast. Bonne question. Je ne sais pas. J'ai pas regardé trop ce détail-là. S'ils avaient ressorti en Finecast ou. De toute façon, le Finecast, chez Games, je suis désolé, mais c'est une vraie donne. Je pense que. En fait, le problème, c'est qu'ils ont causé beaucoup de tort à la résine, parce que les gens assimilent maintenant parfois la résine au Finecast, alors que c'est une connerie. La résine, c'est l'un des meilleurs matériaux. Mais du coup, c'est vrai que quand tu as goûté qu'au Finecast, tu te dis, la résine, c'est de la merde, alors que c'est faux, en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui. En fait, je te dis, c'est le matériau, l'un des matériaux les plus nobles. Pour reproduire à l'identique une sculpture. Donc, je suis toujours un peu blasé de voir que, voilà, malheureusement. Après, je ne sais pas s'il y a plusieurs marques de résine. Oui. Enfin, déjà, oui, il y a plusieurs types de résine, mais c'est plutôt des chiffres. R, Z, ouais. RT. Voilà, donc, ouais, ok. Donc, c'est la propreté en matière de matériau déjà, en lui-même. Déjà, le matériau. Mais ensuite, il y a le process. C'est-à-dire que c'est un process qui est quand même assez long, en fait. Tu dois quand même prendre le temps de débuler correctement. Tu dois prendre le temps. Et moi, je pense que dans leur process, il y a un truc qui a foiré. Parce qu'ils ont dû trop produire sur un temps trop raccourci. Et du coup, ils n'ont pas pu faire les checks qualité nécessaires. C'est tout. Ouais, non, mais, c'est... Ouais, ouais. Mais bon, parce que quand tu au final, ça fait chier. Tu ouvres la figurine et tu as X bulles et, partout. Et tu t'amuses à les reboucher. bien sûr. Mais bon, après, voilà. Je pense que ouais, c'est chiant quand même de se dire que ça a quand même terni un peu l'image de la résine. Mais bon, je me dis qu'après, avec le temps, et puis les gens sont quand même assez ouverts. Ils comprennent. Je pense qu'après, des explications sur le mode de les processus. Pour dire, il n'y a pas longtemps, pour mon anniversaire, mes potes m'ont offert Lucas le trompeur des Space Wolf. Ah oui, personnage. Elle est classe, cette figue. Finecast. Ah. Et du coup des buts partout. Ah merde. Et surtout dans la fourrure. Et là, tu te dis, fourrure, les gars, déconnez pas, c'est le truc le plus. Le plus chiant à refaire. À refaire, ouais, c'est chaud. Et en plus, c'est des micro-bulles. Voilà, c'est chaud. Je vois ce que tu veux dire, ah ben franchement ça fait chier, mais bon, ça fait partie du délire, je pense, tu vois. Ouais, c'est comme celui-là qui a appelé Robot Cuban, quoi. On ne saura point. Mais au final, c'est vrai que leur plastique, c'est tellement bon, quoi.
Tu as envie de jouer que par ça, quoi. Parce que c'est... Ils nous ont tellement habitués sur du bon plastique. Et là, ils ont encore amélioré leur, je trouve, par rapport aux années. Je trouve que c'est tellement mortel déjà que j'ai du mal à faire vraiment la différence, quoi. Le Finecast, les gars, oui, ça doit être ça. Des Zelta en matière chelou, ça doit être ça. Je te laisse ma place. Tu viens t'asseoir là un petit peu le temps que j'aille au Waters. Je reviens. Aux Waters. Yes. Bon pipi alors. Comme si t'étais moi. À tout de suite. Ça va être chaud, les gars. Vis ma vie de mon. Alors, je te prends ça. Et ton carreau. Comme ça, je prends le carreau au passage. Ouais, c'est ça. Comme ça, après, tu retournes aux toilettes. Voilà. À tout de suite. À tout de suite. Hein. Te perds pas. Hein. moi je vais pas l'habituer. Bon bah voilà la mienne. Alors là, pas l'habitude du tout. Voilà. Salut les gars en fait. Hein. Voilà. Alors, faut que je recule. Voilà. Je sais pas si vous voyez grand chose les gars. Donc là le visage pour moi il va être fini. Il va être fini pour moi. De parler à mort pendant que tu peins. Ouais mais là ça va être méga dur. Je vous le dis. Hein, parce que j'ai vraiment pas l'habitude de peindre et de parler. Et là, je vais m'amuser à faire les yeux. Donc, une mauvaise réputation car la qualité est... Alors, Thierry Var, bah, cette figurine-là, c'est une vieille figurine de chez Battle, de Games. C'est Bertrand le Brigand. Normalement, il y a deux autres compères avec lui. C'était le petit... représentation du Romain des Bois du côté bretonien. Donc c'est une vieille figurine des frères Perry, comme on avait dit tout à l'heure avec moi. Donc voilà, vieille figurine mais qui a super bien vieilli et toujours agréable à regarder. Pour vous dire, j'en ai deux exemplaires comme celui-là. Donc voilà quoi, si je t'ai répondu de tout ça. Oui, avec Jean Petit et son grand compère avec le bâton. Alors, je crois que c'est lui, Jean Petit, hein, aux dernières nouvelles. Mais je suis pas sûr du tout. Donc là, je vais m'amuser à faire les yeux, à faire la pupille. Alors, c'est vraiment pas évident quand on n'est pas installé comme chez soi. Faut que je reprenne du noir. Voilà, toi, hop là. Ouais, parler en peignant, ouais, super. Je sais pas comment il fait cet exercice-là, moi, franchement. Respect à lui, parce que franchement, j'ai franchement du mal. Ouais, il y a un blanc, les gars, je le sais. Vous pourrez tout balancer à moi après, hein, quand il sera revenu de son pipi room. Je sais pas si vous voyez quelque chose au niveau des yeux. Un vendredi sur deux, on est nécessaire à peindre en distance. Ouais, sur un discours. Ouais, mais je suis d'accord avec toi. Le café est froid, tu veux que j'en fasse couler ? Bah, le mien est froid, donc. Attends, je vais en refaire couler. Ouais. Je te remercie beaucoup. Ouais, c'est comme à la maison. Dans très peu de temps, il va me trouver un petit surnom. Oula. Non, jamais la première fois. Ah, ouais, on couche jamais la première fois, c'est ce que tu viens de dire. Jamais le premier soir. Hein. Ah. C'est que dans les films, ça. Ouais, ouais. J'ai mangé un petit bout. Donc, je sais. Oust. Oust, le café cool. Hop. Ah oui, je veux finir un peu. Non, j'ai fait les yeux, mais. Il louche ou pas ? Non, il est. Non, il est cool. Il est juste un peu... lézard d'un œil. Ouais. Les yeux, il n'y a pas de miracle. Non, c'est... T'es toujours obligé de revenir sur les côtés. Ouais. À chaque fois pour remodifier légèrement. Là, j'ai réussi à les faire du premier coup. Ouais. Tu veux que je te montre un petit truc, vite fait ? Vas-y. Monsieur. N'hésite pas. Tu vois, au niveau de ta peau, même si c'est avec très 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 peu de blanc, à booster un chouïa plus, mais juste en point. D'accord, tu vois ou pas un petit boost une dernière fois. Ouais, mais seulement des points, parce que comme ça, en fait, quand ta figue, dès cette distance-là, en fait, ça tirera l'œil. D'accord. Et ça, c'est vrai que c'est super important, même sur tes mains.
Quitte, si tu trouves ça un peu trop marqué, tu peux toujours ensuite venir refiltrer un petit peu, Avec ça un peut ouais. atténuer. Mais Juste là, avec tu un filtre, vois, quelques petits points de lumière, juste ouais. comme ça. Alors, je pense que moi, c'est pas une question d'oser, mais je pense que je n'ai pas la perception du point de lumière. De où il faut le poser? Ouais, j'ai la globalité Ouais, de de la la lumière, lumière. mais pas le point de focus de la lumière. Ben bizarrement, en fait, j'ai l'impression que tu l'as, parce que, sans forcément le savoir, mais tu as tendance à bien focus au niveau du point de lumière, là-haut, par exemple. Là-haut. C'est juste un point de lumière dans ta lumière. Je D'accord. sais pas comment. Oui, ça y est, je vois un point un peu plus lumineux C'est qui ça. ressort. Mais c'est déjà une zone que tu as définie. D'accord. Donc, indirectement, tu le sais. C'est juste que, voilà, le petit point qui va bien. Et après, il faut y aller vraiment mollo, hein, parce que c'est toujours le petit point qui peut aussi tout défoncer. Mais bon, comme on le disait, faut un peu oser, quoi. Après, il y a le fait de, parfois, ouais. Je pense de le voir surtout. Ouais, parfois, juste le voir, ça peut faire la diff, ouais, c'est vrai. Et c'est vrai que après, je sais pas si mon bleu que j'ai choisi pour faire comme tu m'avais dit tout à l'heure là, Ouais, ça fonctionne un peu. ça fonctionne. Ouais, en plus, tu y es allé très doucement, j'ai l'impression. C'est exactement ce qu'il faut, parce que derrière, tu peux très bien. C'est le genre d'effet où, typiquement, faut y aller mollo. Et s'il faut, continuer un petit peu, Ouais. et continuer un petit peu, et ainsi de suite. Parce que si tu y vas très fort d'emblée, bah, il y a de fortes Ouais, t'as un chances que ça te bleu, fasse c'est un de bleu la merde. Le direct mec, là. ça devient un schtroumpf, quoi. Et c'est vrai que c'est ce genre d'effet où. Ouais, d'habitude, je dis qu'il faut y aller comme un bœuf. Hein. Là, c'est le genre d'effet qui va venir finir ta figurine. Donc, par défaut, c'est le genre d'effet où faut y aller vraiment doucement. Alors, Marcus Coyote, que de souvenirs cette figurine. Salut les Happy Dappy Games, de retour en France, via San Diego, en Californie, je peux enfin profiter des lives. Ah, bah, c'est cool, Marcus. Et t'es là juste pour les vacances ou tu restes toujours? En faire, en refaire. Ah oui, une méthode pour les yeux, ouais, il y a. Trop dur. Sincèrement, les amis, dites-vous une chose, c'est que les meilleurs peintres galèrent tout autant que vous. C'est juste que eux, ils le font tout le temps, en fait. Et à force de faire, en fait, t'apprends à faire et à refaire sans te prendre la tête, quoi. Là où c'est vrai qu'un mec qui peint une fois de temps en temps, quand il rate son œil, il se dit eh merde! Alors que nous, on en rate tellement qu'au final, ça devient complètement banal. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais. Bah c'est ouais, c'est une habitude. Pas banale, c'est une C'est habitude parce ça. que. C'est par exemple toi, selon le taf que tu fais, par exemple, t'as une, je dis n'importe quoi, mais t'es serrurier, t'as une serrure qui est bloquée. Bon tu la débloques, t'essayes, t'y arrives pas, tu trouves des solutions. Nous, ça nous arrive, on est dégoûté, on appelle le serrurier. Voilà. Et tu vois, on va pas se prendre plus la tête que ça, mais c'est pareil en peinture, quoi. L'exemple était un peu nul. Tu trouves Mais c'est un pas? exemple hein, comme un autre. Ah, tu trouves pas que l'exemple était pourri sur le Non. coup? Bon, c'est gentil Faut de ta part. essayer. T'es Faut toujours tolérant. essayer T'es un exemple. tolérant, c'est parce que c'est la première fois que tu viens, alors. Mais là, je pense qu'en temps normal, Non. tu m'aurais dit que c'était nul. Comme Non. référence. J'ai passé l'âge de critiquer parce que toute critique est bonne, comme on dit, hein. Ouais, c'est sûr. Mais tout exemple est bon. Oui. Il n'y a pas de mauvais Il n'y a exemples. pas de bons ou de mauvais exemples. C'est juste l'exemple qu'il faut qu'il soit au bon endroit. C'est quoi, à ton avis, la référence là? Il n'y a pas de bons ou de mauvais exemples. Bah que C'est faut là. quand on a un exemple à donner, il faut le donner dans le bon contexte. Ah, non, moi je pensais au. Merde, au chasseur. Ah oui, qu'est-ce qu'il y a un bon chasseur? Un bon chasseur, il prend son fusil, il tire, et un mauvais chasseur, il prend son fusil, il tire. Voilà. Putain, c'est ça, les classiques. Voilà. Comme le mauvais et le bon rocker, quoi. Même chose. Il prend sa gratte, il gratte, quoi. Ok. C'est ça. Ben, en tout cas, c'est cool, John, que tu sois venu me tenir compagnie ce soir. Merci à vous tous d'être présents. Ça fait plaisir avant ces fêtes de New Year. C'est très cool. Et sachez que, du coup, on va être de retour à fond la forme, comme dirait Décathlon. Parce qu'au final, oui, c'est nul hein, comme référence. Hein. Les vieux savent. Du coup. Des bons vieux exemples, Les je bons vieux dirais. exemples tout nazes. On revient dans 2 semaines. On va tranquillement commencer à rendre l'antenne. Ça fait maintenant une petite heure qu'on peint ensemble. Toi, John, ça t'a plu? Ou de très, Ou franchement, très très? très très plus même. C'est C'est quelque cool. chose qui.
pas, en tout cas, tu qui, sais que... qu'il faudrait renouveler pour d'autres. Hein. Ah, ben, pour moi, quand même, je laisse ma place, les gars. Ah, c'est cool. Ben, ouais, mais je partirai avec la chaise. Normal, parce que là... La prochaine fois, les gars, ramenez votre chaise. Ramenez votre chaise, c'est ça. Ça va, les conforts ? Non, franchement, nickel. Ah, c'est cool. Eh ben, écoutez, je pense qu'on... je rééditerai l'exploit hein, d'inviter une personne qu'on, bah, que je connais pas encore en direct, ou que je connais d'ailleurs. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message, quoi qu'il en soit. Toi aussi, évidemment, Jonathan, t'es bienvenu. Ça me fera toujours super plaisir de t'avoir. Ouais, je passerai un jour où il y aura toute l'équipe. Hein. Bah ouais, bah ouais, mine de rien. Bah ouais, ça, tu n'es pas là pour ce soir, c'est une équipe à toi tout seul. Ouais, putain, sacré équipe. Hein. Mais pour connaître le reste de l'équipe... Bah, grave. Franchement, avec grand, grand plaisir. Une petite question... Julie, ça fait combien de temps qu'elle peint ou qu'est-ce que... Bah en fait, elle a commencé la Gurine quand je l'ai rencontrée. Elle est très douée. C'est quelqu'un d'extrêmement talentueux. Et en fait, elle a commencé il y a, ouais, il y a un an. Deux ans, peut-être. Ouais. Donc, ouais, peut-être deux. Enfin, allez, on va dire trois ans pour pas en énerver certains. mais globalement, c'est assez agaçant son niveau et à quel point elle avance vite, quoi. Typiquement, c'est... Elle est franchement, elle est extrêmement douée. Dès qu'elle touche quelque chose, elle arrive à faire des merveilles. Après, ben, elle pratique pas forcément énormément. Donc, je pense qu'après, quand là, début d'année, on a déjà un peu réorganisé un peu la team, elle va plus se concentrer sur plus de créa. Donc, je pense qu'il y a des chances qu'elle vous surprenne tous dans l'année qui va venir. Là. Parce que tu t'avais dit que sur le... Sur Eden, je crois, c'est ça le bonhomme de neige. Ouais, c'est elle qui l'a fait. Ouais, celle qui l'a sculpté. Ouais, sculpté. Donc, t'imagines le challenge, quoi. L'année dernière, elle avait sculpté aussi le bétail. Ouais. C'était une édition limitée, pareil, de Noël. Et d'année en année, comme ça, là pour l'année prochaine, ouais, donc elle va sculpter une pièce avec moi. Et voilà. C'est l'intérêt aussi d'être une petite équipe, c'est qu'en fait, on a tous des tâches un peu laborieuses. Par contre, on sait tous qu'on va pouvoir évoluer dans certains domaines. Parce que bah, la boîte nous le permet, puisque en gros, bah, on a besoin d'être chacun très polyvalent. Donc ça, c'est une des grosses forces. D'accord. Alors, Thomas Nizé qui demande si on peut prendre le billet sur place pour les Happy Factory Day. Alors, on évite les billets sur place, parce qu'en fait, nous, on a besoin à peu près de savoir en fait, la quantité de personnes qui seront présentes pour préparer bah, tout le stuff, tout ça. Typiquement, voilà. Sachant qu'il y a, je crois que le billet, c'est 25€, 20€ la journée, 30€ les deux jours, je crois. Ouais, c'est ça. Quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Mais du coup, on essaye plutôt de... Ça nous permet vraiment d'anticiper et c'est super important pour nous, les préventes. On s'en rend pas compte, mais voilà. Donc, n'hésitez pas à faire passer le mot, d'ailleurs, pour les Happy Factory Day. Il va y avoir des tables de peinture, il va y avoir une bête d'ambiance, il va y avoir des previews, évidemment, mais surtout, il va y avoir du conseil et de la présence de peintres. De peintres super talentueux quoi. Donc n'hésitez surtout pas, ça nous fera super plaisir de vous voir et en plus vous en prendrez plein les mirettes, c'est promis. N'hésitez pas d'ailleurs hein, s'il y a des thématiques à aborder particulières ou est-ce que vous voulez une vision un peu plus même globale, si tout à l'heure quelqu'un me demandait pour lancer un projet, on pourrait même en parler hein. Vraiment on n'a pas de limite. Et la limite, c'est vous, en fait. C'est le nombre de personnes qui pourront être présentes, le nombre de personnes qui pourront influer et influencer nos choix. Voilà. Donc, n'hésitez surtout, surtout pas. Il faudrait que tu fasses une signature « Osez, les gars », en fin de discours. Ouais, c'est beau, ça. T'as raison, tiens. On va la faire. Bon, allez, on va créer... Une phrase de fin de live. Voilà. Oser la peinture. Oser la peinture. Putain. Oser, comme vous le sentez. Hein. Voilà. On va essayer. Bon, alors on va pitcher ça, mais pour la prochaine fois. Voilà, on va réfléchir à ça. On va réfléchir. Tout avis est bienvenu. Voilà, le temps que ça... Donc, comme vous le voyez, en fait, le fait de revenir ensuite avec le bleu, c'est pas plus mal. Je pourrais toujours l'ombrer encore un peu plus. Mais au final, le bleu n'est pas si présent que ça sur la figue. Donc, ce qui est quand même un comble hein, pour un ultramarin. Ouais. Mais plutôt un cus de dés. Au final, c'est vrai qu'il est super... Mais qu'est-ce que vous voulez ? Moi, je m'adapte à la figurine qui est magnifique.
Par contre, putain, qu'est-ce qu'elle est belle. Enfin, bref. Alors, Nicolas Aubert, petit léchage de cul, mais j'ai regardé pas mal de tutos, notamment celui sur l'OSL, et c'est vraiment super pour professer sur la peinture, progresser. Ok, merci Nicolas, ça me fait super plaisir, et moi, je préfère toujours finir un live le cul propre. Donc, le léchage de cul... Ah, c'est pas pour nous. Non, et puis, sincèrement, on parle de léchage de cul, mais honnêtement, et autour de moi, je passe mon temps aussi à remercier les gens, parce que je trouve qu'on est dans une société qui pousse plus à la critique qu'au fait de remercier. Et je trouve ça vraiment, vraiment pas sain. Et je te remercie pour ton petit commentaire qui fait super plaisir. J'en ai reçu pas mal ces temps-ci, des petits messages de soutien et tout. Et je dois dire que non, ça fait du bien, ça rebooste. Ça remet un petit peu en lumière les gens qui sont contents aussi. Parce que voilà, des fois... La critique, c'est toujours constructif, ça peut toujours être constructif, mais encore une fois, si on n'a que la critique, malheureusement, ça ne pousse pas à aller plus loin. Et moi, c'est pour ça que je conseille toujours aux gens d'y aller, de foncer, mais de temps en temps, ça fait du bien aussi quand on nous retourne le compliment ou la motivation. Voilà, c'est un cercle vertueux et je t'en remercie. Nicolas Aubert, merci à toi. Il y a Pierrot Lustucru qui dit super ta figurine. Merci beaucoup Pierrot Lustucru. Je me donne à fond parce que cette pièce, elle est sur mon établi, ça fait un petit moment. Donc faut que je lui fasse honneur. Évidemment, un live de 1 heure, c'est impossible pour peindre une pièce aussi ouf. Mais aussi... ma foi, je trouve que je m'en suis bien sorti quand même. J'ai bien avancé. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Je l'ai vu avant et c'est... C'est étonnant la rapidité en 1 heure, la quantité de peinture que tu as. Ouais, en plus d'avoir à combler les blancs pendant un live. Hein. Donc, mais c'est vrai que je tchatche beaucoup. Il a du bagou. Hein. C'est le côté diarrhée verbale. Ouais. Ça m'a toujours suivi. Mais merci, c'est vrai qu'on va appeler ça du bagou plutôt que de la diarrhée verbale. Il serait question de pas trop se rabaisser non plus. Mais quoi qu'il en soit, en tout cas, merci à tous d'être là ce soir parce que ça fait super plaisir pour ce dernier live de l'année. Hein, ouais. On va appeler ça comme ça. Parce que je trouve que tu as bien raison. Ouais. T'as vu comme j'apprends vite. Et en tout cas, c'est très cool. Bon, j'avoue que j'ai dit que j'arrêterais, mais tu vois, j'ai du mal à vous laisser. Quoi. Ouais, il a du mal, c'est parce que... sa moitié n'est pas à la maison et qui n'est pas là. C'est clair que depuis que Julie n'est pas là, je vais pas vous mentir, j'ai un peu du mal à dormir la nuit, quoi. C'est un peu chaotique, mais c'est pas grave, je vais la retrouver début d'année, ça va aller mieux. Voilà. Bon, en tout elle va trop centrer. Ouais, mais grave, bam. Non, mais c'est vrai, quoi. Ça, c'est bizarre, hein, comme finalement nos habitudes, c'est dingue. Enfin bref. En tout cas, on va tranquillement vous laisser, les amis. J'espère que ce live vous aura bien plu. En tout cas, nous, on était ravis de vous avoir avec nous. C'est ce ça. Soir. Pour un premier live pour moi. Ça va, Jonathan ? Ouais, grave. T'as survécu ? Oui. Tout le monde pourra survivre à ça. D'accord. Bon, en tout cas, c'est cool puisque t'as, mine de rien, t'as participé. Hein. T'as vu, j'ai essayé. Hein. T'as même pris ma place, quoi. Non, ouais. Tu t'en es sorti à merveille. Non, après, j'ai pas eu de retour. Donc. De retour, c'est-à-dire du peu de temps que j'étais à ta place. Ah, d'accord. moi, je pense que si t'as pas eu d'insultes, c'est bon signe. Je déconne. Les mecs sont bien trop bienveillants, mais c'était bon de le dire. Non, mais ce que je veux dire, c'est que t'es super à l'aise. Donc, franchement, c'est cool. Puis, c'est super agréable de t'avoir à mes côtés. C'est sûr qu'au début, parler, peindre en même temps, c'est un peu tendu. Non, franchement, comme on avait dit. Mais petit à petit, tu vois, sur la fin, tu tchatches beaucoup plus naturellement. Ouais. Et puis en plus, t'es à l'aise devant la caméra, ce qui n'est pas donné à tout le monde, encore une fois. Donc, non, chapeau, mec. Chapeau, tu t'en es sorti à merveille. Donc, on va montrer un petit peu, du coup, ce que t'as peint, si tu veux bien. Youp. Donc, voilà pour la pièce. C'est Et donc, que... tu pars sur un jaune. Ouais. Toi, t'es un mec comme ça, toi. Tu oses la couleur. Il est joli, ton visage. Hein. Alors, je sais pas si on voit bien, parce que j'ai fait le focus sur une grande pièce. Ouais. Mais c'est super simple, mais c'est hyper efficace. Hein. Je te remercie beaucoup. Franchement, c'est très chouette. Tu comptes attaquer ton jeune comment ?
Bah, à vrai dire, depuis tout à l'heure, j'y vais en freestyle. D'accord, mais J'avais l'idée d'un orange jaune. Un Après, marron jaune plutôt. ouais, ben après, ce que tu peux faire, tu vois le terre de sienne ou tout simplement la couleur whisky ou tout simplement cette couleur-là. Ah, le cuir ouais. cobra, Qui se ressemble un peu au Snake Beat de l'époque Ouais. de Games. Ouais, qui est génial en fait. Pour Tout à ombrer fait. le jaune, c'est le top en Ouais, fait. bah ouais. Donc je pense que ça va être nickel. Tu le passes, tu vois, genre là en dessous, tu le pousses là-haut. Alors, on va dire, moi, de base, je mets cette couleur-là. D'accord. Pour casser déjà pour voir visuellement où arrivent les vêtements ou autres, et après j'ouvre entièrement la pièce. Ah, toute la pièce. Donc là, Presque tu vas là, baser tous j'ai les tissus d'abord. ouais, du vraiment du plus foncé, là. Et après j'essaie de tirer au maximum. Donc, Ouais, c'est quelquefois, j'y arrive malin. pas et j'ouvre tout, et après, je repars sur un éclaircissement au fur et à mesure Ouais, mais parce ça que doit le faire, hein. je pars sur le principe de. Pourquoi je fais ça comme ça? Comme ça, j'ai une première visu, même si c'est Des pas la même différentes couleur. couleurs qui sont Voilà. posées. Si Parce qu'elle va être plus claire ou plus sombre, ou plus mais au moins tu as sombre, une vue ou plus, d'ensemble des voilà, tout différentes à fait. teintes qui vont te permettre, et ensuite tu ombres, et ensuite tu attaques les Là, éclaircies moi en j'étais fait. persuadé qu'il y avait C'est sympa. que deux vêtements, et en vrai dire non, il y a plus de vêtements que Non, ça. non, et puis derrière, tout ce que tu peux faire par contre, c'est jongler avec un vert, mais Ouais, cette j'ai. fois peut-être pas un vert flashy, Non, un vert un peu plus terne. Ouais, j'étais voilà, parti sur parfait. le Voilà, Lufthansa ouais. allemand là. Ça, c'est une très bonne idée, je pense. Donc C'est une très très bonne idée. Donc voilà les amis, tranquillement on a avancé nos pintouilles. Donc là moi je vais faire un petit parchemin. Mais ouais, à l'occasion je ferai peut-être des vidéos effectivement encore plus spécifiques. Tu vois, je dis n'importe quoi, mais peindre un sceau de pureté, peindre un truc vraiment en focus. Et ça peut être super super sympa. Donc là je rajoute simplement du blanc. Et hop, petit à petit, je vais éclaircir. Yomo, comment va? Salut Luso Gaming. Bah écoute, ça va. Ça peint. Ça va pas tarder à arrêter de Ça peindre. patouille. Mais globalement, ça pintouille. Tranquillement, mais sûrement. Et j'espère aussi que toi, tu vas bien, Luso. Luso, ouais, c'est ça. T'as eu un Luso gros doute Gaming. Bah d'un. ouais, parce que je viens de le lire et en fait, le temps de le dire, j'ai re-regardé. Et t'as eu un bug. Et là, tu dis, ah merde, Donc. est-ce que c'était bien celle-là? C'est ça. Et quand tu du coup sur ta chaîne Luso, c'est du gaming vidéo, c'est plutôt du gaming je suis curieux. N'hésite pas à nous dire. La curiosité n'est pas toujours un vilain défaut. Les Inari, c'est les Eldar ça. Ouais, Donc il y a c'est une Pierrot partie. Lustucru qui dit est-ce que je peux faire. Ouais, j'adore les Eldar en plus, j'en ai. Donc après le truc c'est que le sujet est large quoi, parce qu'entre les guerriers fantômes, les. Mais globalement les Eldar, je trouve que ça se prête énormément à l'aéro aussi, parce que en fait c'est des surfaces tellement simples C'est qu'au des grandes final surfaces en même temps. ouais, et c'est vrai que ça peut vite être un régal quoi. Qu'est-ce que j'aime les Eldar, putain. J'en ai bouffé, mais des bêtes à chier, quoi. Donc là, j'hésite pas. Bim, boum. Mais ouais, avec plaisir pour les Eldar. Après, faudra me dire quel type d'Eldar, peut-être. Il y a Docteur Illuminati qui dit Noyeux Joël, les gens. Merci, toi aussi. Joyeux Joyeux Noël. Noël. Ouais, joyeux Noël à tous. Profitez bien de ces fêtes, un peu pour retrouver vos familles. Passer de bons moments, partager notre passion. Moi, je vais prendre de quoi sculpter ou peindre, je ne sais pas encore. Mais quoi qu'il en soit, profitez pour jouer, peindre, vraiment partager des chouettes moments. Pensez aussi C'est. à vous ressourcer, c'est important aussi. Ouais, ressourcez-vous en faisant vraiment ce que vous aimez faire, quoi, en fait. Hein. Je pense qu'il n'y a rien de mieux. Moi, c'est vrai que, comme je le disais, encore une fois avant le live, hein, parce que mine de rien, t'es arrivé un peu plus tôt, donc ça nous a Ouais, permis de plutôt, ouais. papoter de tout et Et de de tout rien. et de rien. Et du coup, ce que je trouve chouette, c'est que même dans la peinture, si tu veux, moi, c'est vrai que des fois, les gens me bug parce qu'ils me disent, mais attends, t'as fini, tu rentres chez toi et tout ce que tu trouves à faire, c'est sortir un pinceau. Eh ben ouais, c'est que c'est vraiment parce que je prends les choses sous plein d'aspects différents. Et c'est vrai que par exemple, je vais avoir une tendance toujours à faire mes petits projets perso en parallèle, quoi. Et ça, c'est vrai que, bah, par exemple, mon armée d'orques, petit à petit, je vais la dévoiler, parce que c'est vrai que bah, le soir, j'ai pris le temps de l'avancer un petit peu.
de temps en temps. Donc ça, pour moi, c'est crucial, parce que c'est la zone où vraiment je fais ce que j'ai envie de faire. Parce que quand ça devient un taf... Voilà. C'est pas une obligation professionnelle. C'est ça. Je me fais plaisir, et puis voilà. Donc c'est vrai que sur mon handart, je partage tout. Et des fois, les gens peuvent ne pas comprendre, parce que je fais beaucoup de choses. Mais en gros, c'est juste parce que... entre ce que je fais pour mon plaisir et ce que je fais pour les clients et ce que je fais pour le livre, par exemple, ça fait beaucoup, beaucoup de choses. Voili, voilou. Là, en gros, les étapes sur sur cette petite zone sont finies. En fait, cette pièce, c'est vrai que je l'appréhende différemment que ce que j'ai l'habitude de faire. Parce que la pièce est tellement chargée, elle est tellement complexe, en fait, je préfère me dire, allez, j'attaque cette partie-là, je la finis, j'attaque cette partie-là, je la finis. Et après, même s'il faut un petit peu réajuster l'ensemble pour que tout soit plus cohérent, je le ferai. Mais en attendant, c'est assez sympa à faire et ça me change carrément de ce que j'ai l'habitude de faire. Ouais, c'est surtout qu'il y a beaucoup de, comme tu parles en NMM, tu as beaucoup d'endroits qui sont identiques. Ouais, et de temps en temps, il faut bien changer. Justement, voilà. En fait, moi, quand je suis vraiment en mode taf, je fais tout. Et à la fin seulement, j'ai la patience de me dire, allez, j'attends, et à la fin, ça fait pouf. Parce qu'à la fin, du coup, je pose les derniers points. Mais c'est vrai que pour un live, c'est pas très sympa, parce que tu vois, sinon, on n'aurait rien vu d'abouti. Oui. C'est quand même un peu frustrant. Et là, c'est quand même plus sympa. Surtout que là, le gantelet, tu l'avais déjà entamé un peu hors live. Et là, tu l'as fini, quoi. Pour mon point de vue à moi, après, peut-être ton point de vue, il est plus... plus poussé en disant que tu vas remettre des points de lumière. Ah oui, bon, je sais pas encore. Franchement, ça dépend vraiment de... Ouais, je veux atteindre, de l'échange que j'aurai avec mon commanditaire après... Quand je vais lui envoyer les photos de la figue, parce que tu vois, il a son mot à dire. C'est vraiment tout. Bon, après, celle-là, je la prends plus comme une récré, donc c'est vrai que c'est particulier. Ah bah oui. Mais voilà quoi. Donc il y a l'Uso Gaming qui dit plus depuis, donc il doit plus faire de vidéos depuis qu'il a découvert le hobby. Mais alors pourquoi tu fais pas des vidéos sur le hobby? Ce serait cool. Si voilà. En tout cas, t'es le bienvenu. Hein. Donc je relance un dernier appel, mais comme je le disais, je pense que je rééditerai un petit peu le délire avec qu'on a eu ce soir avec Jonathan. Merci encore de t'être prêté au jeu, parce que voilà, hein, c'est mine de rien, c'est pas tout le monde qui ose. Et si vous voulez venir peindre en portant un masque parce que vous êtes un peu gêné, moi ça me dérange pas non plus. Donc vous serez toujours bienvenu ici. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message si vous voulez qu'on s'organise tout ça. Mais voilà. Donc je commence un petit peu les pieds. On va tranquillement du coup vous laisser. Encore un gros bisou à tous. Profitez bien des fêtes. Kiffez bien le temps passé en famille, en bonne compagnie, et kiffez. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt les amis. Allez, bonne soirée et bonne fête. Et bonne fête surtout. Et osez, bordel, osez. Et osez. Osez, n'ayez pas peur. C'est ça, et mangez beaucoup de chocolat. C'est ça. Bisous à tous, ciao. Ciao les gars.